And touch your shoulder. Do you feel it? Yeah, let's get bolder. When we lock eyes, and you flash that smile, boy I feel it. So come on, on over. -dum. -dum. You don't have to be nervous. Coucou la team, comment on va, comment on va bien Alors un petit coup de clic pour avoir les, euh, voilà, les commentaires qui s'affichent. Ça c'est fait, ça revient, on est à nouveau euh, en studio, hein, comme ça on va prendre son temps ce matin pour pas courir dans tous les sens, ne pas faire de grosses bêtises. On est le 27, et donc c'est la matinale du 27. Alors on écrit la matinale du 27 novembre, autant qu'à faire. Mmh. T'as pas de majuscule, Voilà, et on partage. Voilà, comme ça c'est fait dans un groupe. Tu sais que tu boches orange. Ça, je fais ça. Alors, toujours pas de YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube. Partager, ça c'est bon. Je regarde quand même par acquis de conscience votre chaîne. Non, y a pas de... ça marche pas sur YouTube. Je vais m'en occuper. J'ai une petite réunion à 9h30. Bah écoute, on va on va faire en sorte que tu sois à ta réunion. Il est 9h, euh, on va déjà se mettre un truc. Euh... OK Jingo, mets-moi le minuteur à 9h30. C'est pour toi, Mikaël euh, pour pas que tu sois emporté par le truc. Je n'ai pas compris ce que vous me demandez. Merci de reformuler votre demande après avoir dit OK Jingo. OK Jingo, mets-moi le minuteur à 9h30 combien de temps devrais-je régler le minuteur Oh ben 20 minutes oh là là très bien je vous préviendrai dans 20 minutes merci euh, euh, non mais c'est comme ça faut pas le vexer faut parler comme il veut et tout euh, je crois qu'on va on va on va parler un petit peu lui et moi là un petit peu en attendant allez je continue le partage donc ici c'est moi qui parle à dingo donc je continue je fais partager c'est où c'est ici Partager, je mets la matinale. Hier, hier je ne sais pas si ceux qui étaient là hier ont vu ce qui s'est passé. <coughs> en fait, on a fait la matinale en trois bouts. Euh, C'était le désordre et tout. Enfin, C'était très intéressant parce qu'il y a beaucoup de. Un minuteur n'est pas une alarme. Merci Bruno. <laughs> Excuse-moi. Excuse d'accord. La prochaine fois, je dirais règle une alarme. Voilà, d'accord. Ok, j'ai compris. <laughs> Ça va. Ah, il faut apprendre à, à parler son, son langage au truc. Hein. Ouais, je disais qu'hier, il y a eu trois fois la, la matinale. Donc ce, qui, ce que j'ai fait, c'est que à la fin, j'ai retiré tous les directs. <coughs> j'ai pris les trois morceaux, je les ai collés ensemble et j'ai mis le, le replay comme ça, comme ça. Alors il y en a qui répètent deux fois, comme Jean-David a dû dire deux fois la même chose, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est de ma faute. Hein. Euh, j'ai mis le, le téléphone en ne pas déranger. Et malgré ça, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui a appelé tellement.. Euh, je crois que le ne pas déranger, si tu appelles trois, quatre fois, eh ben, ça passe au-delà. Et donc euh, quand la sonnerie arrive, bah, ça sort le... Il n'y a plus moyen de, de continuer à diffuser. Ça coupe le direct. Tant pis, c'est bien fait pour moi. Désormais, il faudrait que j'aie une puce exprès pour les diffusions de la matinale lorsque je suis dehors. Voilà, ça c'est fait. Donc, je n'ai toujours pas YouTube. Je ne sais pas avec qui il va falloir que je voie YouTube. Euh, je ne veux pas appeler YouTube parce que je ne sais pas. dans ce plutôt restream. Ils vont me dire, monsieur. Et je sais ce qu'ils vont me dire. J'entends déjà d'ici. Ah oui, mais vous savez, pour que ça fonctionne. En fait, on vous avait donné un essai pendant un mois. Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut payer. Bon, bah écoute, on va voir, hein. on va voir ce qu'il en est, un petit, un petit euh, ça c'est quoi, c'est, euh, je fais profiter, euh, Twitter, alors Twitter, Twitter, ah, il s'est passé du beau, du beau, du beau, du beau, c'était, il est où CDZ Alors Christophe, fatigué, il est là, voilà, CDZ, la matinale des agrumes, ça c'est celle du 24, si je fais ça, voilà, je suis sur CDZ, ah voilà, le direct il est là. Donc je fais tac, retweeter euh, la <coughs> matinale, euh, matinale des agrumes. Moi je sais pas ce que tu en as pensé pour ceux qui ont regardé. Oh Marie Marie, Marie José, tu es là, c'est pas possible. 9h22, t'es es, es venu en métropole ou alors tu es tombé du lit Hein? Et la question, elle est là hein, que je te pose euh, la matinale des agrumes, et je mets la date. Euh, 27 novembre, tu te rends compte, 27 novembre, punaise. Ah, 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 heureusement, tu vois. Euh, comment je peux faire, comment je peux faire, comment je peux faire, comment je peux faire, je vais faire, euh, euh, si je fais message, ça marche pas. <laughs> novembre, attends, je finis ça, et je tweet, on va voir. Merde, novembre. Voilà, et je tweet. Euh... Et je peux pas... Je sais pas si tu entends le son. Non, peut-être pas. Oui, par le micro. Euh, alors attends, tuc, 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 je vais faire ça. J'ai pas raccroché parce que c'était du WhatsApp. Donc je vais plutôt aller là. Tac. Et je vais mettre. Euh, je vais mettre ici. Euh, <coughs> oui, Jean-François. Alors attends, je réponse après. Je mets ici. Mmh, 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 mmh. En fait, tu vois, il faudrait un truc genre, euh, tu mets, euh, plap, plap Ah, tu es là, bah tu es là. Bah si tu es là, tu sais qu'on a un after ce soir. Euh, J'en profite, le gars qui passe de sujet au sujet. Il y a un after ce soir. Euh, Café République. Euh... Bonjour Sandra, comment vas-tu Donc, euh, l'after de ce soir. D'ailleurs, l'after de ce soir. Il est où le est où que je... Ici. After work. il y a Caroline Aber qui arrive, de, qui est déjà là, de, de Strasbourg. Elle m'a dit Écoute, tu pourrais pas, on pourrait faire un petit afterwork. J'ai dit Avec plaisir. Voilà, after work, il est là. Voilà, je mets ça comme ça. Non, je vais le mettre en haut ici. Voilà. C'est à partir de, de 20h. Ah, 20h quand même. Et par contre, j'ai pas eu. Euh, j'ai, n'ai pas eu euh, Paoli pour en parler avec elle, parce qu'on m'a dit que. Aujourd'hui, ça sera un petit peu compliqué là-bas du côté de République. Donc euh, voilà. En tout cas, bon, ben, c'est prévu. Si tu veux passer, <coughs> lorsque tu vas à République, tu sors à la sortie numéro. <laughs> sortie numéro 2. Et il y a le café qui est juste à côté de la, de la boutique. De la boutique Orange. Ben voilà, tu viens. On se fait un petit after là entre nous. Alors je, je sais que moi, j'y serai. Après, je sais pas. Je n'ai pas suivi qui serait. Parce que les afterworks sur Paris, euh, je ne suis plus parce que. Il euh, y a plein de gens qui disent je viens, d'autres qui viennent pas, puis après d'autres qui viennent quand même, et puis voilà. Donc, euh, on sera un petit nombre, j'espère, euh, <coughs> tout sympathiquement, euh, déjà pour, euh, pour Caroline qui arrive de Strasbourg, et puis pour se rencontrer, et puis pour tous les nouveaux qui voudront venir, ou même les pas nouveaux, ou même les anciens et tout. Allez, hop, je coupe les sons là-dessus. Voilà, et là, j'aurai tes commentaires. Mmh, ça fait plaisir d'avoir les commentaires comme ça. Euh, minuteur n'est pas une alarme, ok. Je fais les anniversaires, comme ça, c'est fait. Euh, tiens, je laisse l'afterwork, le, le, ça, ça ne mange pas de pain. Alors, aujourd'hui, on est le 27 novembre. Qui a son anniversaire aujourd'hui Alors, hier, les anniversaires avaient été dits par Jean-David. Euh, J'ai pas copié ah, J'ai pas copié les anniversaires C'est dur, ça. Si, si. Oh, pfff. Je fatigué. Euh, joyeux anniversaire à Georges Nina. Oui, Georges Nina qui est là-bas au Cameroun. Donc, tu vois, les, les agrumes, ça ne s'arrête pas aux, aux frontières de la France. Hum. Georges Nina est au Cameroun, donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, ma belle. Joyeux anniversaire aussi à Nadia Fat, à Yves Martin, à Emeline Aurore Maillot, qui est là-bas du côté de la Reine. Euh, bisous, Emeline. Joyeux anniversaire à Caroline Ben, à Thomas RLT, à Armand Osterman, à Lionel Bottel, Fabien Mobilion, Christine Pratt, Elena Bézivin, David Coudenis, Oncle Joe, Oncle Joe. Je ne sais pas si on s'est rencontrés, je crois, peut-être dans un cathon ou quelque chose comme ça. Mais enfin bon, joyeux anniversaire à toi. Euh, Kiki Djer, là-bas, du côté de la... Alors, est-ce que c'est la Guadeloupe ou la Martinique Enfin bon, voilà, c'est là-bas, du côté. Euh, Florian Vallet, Dorian Bareil, Mohamed Driver, Audrey Jose, Jean-Luc Cario et Nadine Leil. Voilà, à tous, vous prenez un an de plus. Ben, écoutez, Éclatez-vous, aujourd'hui c'est votre dé. Euh... Juste une petite précision. Pour que je te souhaite ton anniversaire, il faut bien entendu deux choses. Un, que tu es. Euh... <laughs> c'est la Saint quoi aujourd'hui Non, c'est la Saint-Séverin. Est-ce que la Saint-Jean <laughs> Bruno, t'es d'humeur, hein Aujourd'hui, elle faire un peu le désordre. Euh, oui, je suis en train de dire, pour que je te souhaite ton anniversaire, bien entendu, il faut deux choses qu'on soit un ami sur un de mes trois comptes. Facebook, ou amis même dans la vie, hein, si ça aussi, ça peut le faire, et puis que ta date, elle soit dessus. Et il y a beaucoup de gens, euh, je reçois après, « Ah merde, c'était mon anniversaire, tu ne me l'as pas dit. » Je dis, Ah oui, mince, comment ?» et ben quand je vais regarder le profil, il n'y a pas l'anniversaire. Alors, tu imagines bien que je ne peux pas le deviner. Il y en a certains où je me mets un rappel, mais bon, euh, <laughs> voilà, c'est... En fait, des, des fois, déjà, le, le calendrier, quand je lui dis de me sortir les, les anniversaires, il, il, il explose le truc, il y en a de trop euh, ok, je vais regarder là. Donc voilà, on profite hein, aujourd'hui, hein, on fait un maximum. On a, on a, on a commencé à parler euh, d'un truc important hier. Euh, on parlait de ceux qui sont heureux au, au, au boulot. Tu sais, ça fait partie de ma petite, euh, mon petit focus sur tout ce qui est euh, bonheur. Euh, C'est quoi le bonheur Qu'est-ce qui te rend heureux, etc. Et j'étais tombé sur un, sur un, comment dirait, sur un sondage, une espèce de. de Ouais, 60% des, des, des travailleurs, enfin des gens en France qui travaillent, je crois que c'était en France d'ailleurs, ne sont pas à un boulot qui leur, qui les, qui leur plaît. Qui les plaît. <laughs> voilà, donc c'est ça qui m'a un peu. Ouais, j'ai dit, mais c'est chaud quoi, quand même. Et donc hier, j'en ai parlé à, à Cœur des France, dont c'était l'anniversaire. D'ailleurs, euh, merci à Cécile et à toute l'équipe de m'avoir. C'était bien animé hier, hein je ne sais pas si tu as vu. Moi, je te conseille d'aller voir le replay. Il y a des moments d'anthologie, il, il, il y a Samantha qui chante, elles ont fait une chorale et tout, enfin bon bref, c'est pas mal, hein. c'est pas mal, euh. j'y retournerai exprès. Salut Eva, comment tu vas euh, Donc le sujet c'était, voilà, est-ce qu'on se sent, on est content dans son boulot, est-ce que, euh, voilà, et ça partait d'un reportage France 2, où il y a un gars qui, qui est pas mal, hein, qui... qui, qui euh, un beau diplôme et tout, et qui à sa sortie d'école a été recruté, et il disait bah, Je ne sais pas pourquoi j'ai été recruté, je suis là, j'ai un titre, j'ai une paye, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit Merde, c'est vrai que c'est. S'il y a des gens qui, qui pensent ça et qui sont comme ça, bah, c'est un peu de creuser l'affaire. Donc, ceci pour te dire bah, Pour te dire quoi Pour te dire que si tu as envie de, de témoigner là-dessus, n'hésite pas. Voilà mon numéro de téléphone, il est à 06 84 32 12 54. C'est moi qui te donne l'autorisation d'appeler. Tu peux appeler, il n'y a pas de problème. Si tu veux nous parler de ça, <coughs> n'hésite pas. Vas-y, vas-y, on va. Euh, pourquoi le truc il n'y est pas euh, Ça là, le appel. Euh, bon, J'éteins le, le truc. Enfin bon, bon, voilà. Si tu veux parler, <coughs> vas-y, on va, on va discuter de ça. Euh, ah oui, il y a aujourd'hui autre chose. Il y a ce qu'on appelle Compliance Day. Alors je vais te dire. Hop, je vais chercher. J'avais fait mon petit truc, mais je l'ai pas perdu. Voilà, il est là. Ethics and Compliance Day. Voilà, c'est ça. C'est à Olivier Dessert. Hein. C'est bah, tout ce qui va concerner euh, les bonnes pratiques. Euh, ben pour ne pas se mettre en difficulté, pour ne pas mettre l'entreprise en difficulté. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait Voilà. Donc c'est aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui partout, en fait c'est partout chez Orange, mais aujourd'hui à Olivier de Serre, <coughs> avec Sylvie Launoy, qui, qui, qui organise le truc. Et on est au même étage, en plus, au troisième, <laughs> Olivier de Serre. Donc voilà, éthique et compliance. Alors je ne sais pas, si, si pareil, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, n'hésite pas. Je vous laisse, euh, bah, écoute, bonne journée à toi, mon ami euh, Michael. Il va falloir qu'on fasse le point avec toi l'année prochaine, hein, savoir où ça en est. Euh, parce que justement, j'ai parlé des startups start start hier midi, et euh, j'ai parlé de toi. Euh, je ne sais pas que tu sois une startup, mais voilà, de dire, euh, voilà, entre guillemets, les startups internes, savoir un peu où ça en est, qu'est-ce que ça fait, où ça en est, etc., etc. Voilà. Donc, éthique Compliance, alors, euh, voilà, tu vas sur l'intranet, tu sauras un petit peu. Euh, tu un petit peu euh, voilà un petit peu de quoi il retourne euh, voilà c'est un petit peu sur les, les, les risques de corruption les petits arrangements entre amis et puis bon on en parle on en parle c'est devenu c'est devenu quelque chose d'important euh, euh, chez nous donc c'est là c'est là c'est là voilà sandra qui nous dit moi je suis très heureuse de mon boulot l'activité mes collègues mon tuteur ma manager tout est au top Très bien, bah, c'est un commentaire positif, c'est bien, mais bon, euh, c'est vrai que euh, donc tu fais pas, on va dire tu fais pas partie des 60%. Moi c'est pareil, je suis content euh, de mon boulot, je suis euh, <coughs> je suis content de mes collègues. Euh, bon, j'ai pas de tuteur, ça va, je suis content de ma manager, tout est au top, ouais, bon, c'est nickel. Moi j'ai pas à me plaindre, mais bon, euh, est-ce que euh... ah il y a peut-être aussi le fait qu'on fait ce qu'on a choisi, c'est peut-être ça fait ça contribue peut-être aussi au fait. D'être heureux, c'est que quand on fait quelque chose qu'on a choisi, ben, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Hein. Donc, euh, voilà. Il y, y a ceux peut-être qui ont choisi un boulot ou qui ont fait des études pour un boulot et qui ne font pas euh, le boulot pour lequel ils, ils ont fait des études. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Hein. « Salut, Chamallow Elle est là, la petite chamalo elle est en train de passer un truc pour au BSP, à la GDT, à Saint-Denis. Ah là là, elle m'a dit qu'elle est là aujourd'hui. Moi, j'aurais bien été faire un petit selfie. Ah, j'espère, je sais pas comment je vais peut-être m'organiser. Mais sinon, si là, ce soir, vient l'after, à République, dit-il. Ah ouais, non, non, mais c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est pas facile. C'est vrai que les agrumes ne prennent pas l'habitude de me dire un peu à l'avance, « Ouais, je serai à Paris à tel jour, tel jour. » Parce que moi, ben voilà, je fais le guide quand je peux faire le guide, hein. Sinon je demande à Bibu, Bibu lui sait faire le guide aussi. Salut Cécile, euh, salut Isabelle. Euh, ah il y a deux Isabelles. Isabelle, Isabelle Rompé qui est là, Isabelle Gérald. Euh, te dire quoi de la météo ben, En ce moment il euh, n'y a rien à dire. Cette nuit il a plu comme c'est pas permis, ça a tapé sur les, sur les, les volets. Je me suis dit mais c'est fou là quoi, c'est fou, c'est fou. En fait je me moquais de Londres mais euh, ça fait deux jours que je suis revenu, c'est pareil ici hein, quoi, il pleut pareil. Bon bah ben, c'est tout, on va pas se plaindre hein. dans six mois, on va... On va crever de chaud dans six mois. Eh, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Voilà. Mmh. Est-ce que tu es... Euh... Alors hier c'était l'Orange Business Tour à Bordeaux avec euh, Jean-François Br Bridelance et, et toutes les équipes de Bordeaux. Euh, c'est bien l'Orange Business Tour. Je, si ça passe par chez toi, n'hésite pas à aller faire un tour. Il y a, en général euh, la matinée c'est pour les, les salariés. Donc euh, euh, tu regardes, euh, normalement tu reçois un mail et puis sinon tu demandes à ton patron d'y aller. <laughs> J'aime bien Cécile qui fait son petit truc. J'espère que ça s'est bien passé. J'ai bien aimé les vidéos que tu m'as envoyées là de la de la chorale. Euh, sauf que j'étais encore en pampa et j'ai pas pu les utiliser dans un truc. Je vais voir. peut-être que je vais les mettre dans un dans un générique ou quelque chose comme ça. Déjà, je reprends mes marques dans le studio. Je répare YouTube et puis enfin je répare YouTube. Je répare la diffusion. Euh, voilà. Donc Orange Business Tour, c'est vraiment un truc intéressant. Euh, je pense que voilà. Je pense qu'il faut. Euh, il faut, si tu as l'occasion, tu vas voir, parce que ça donne vraiment, il y a des produits et services dont, dont on n'a pas, pas euh, l'idée, nous, hein, que, ceux qui sont pour le grand public. Et puis, et puis c'est une clientèle à part, enfin une clientèle, c'est des collègues un peu euh, qui font le... le c'est pas le même boulot. Hein. Ils s'adressent à des entreprises et tout. C'est plus... Euh, voilà, c'est sérieux, c'est pas le mot, parce que les clients euh, résidentiels, il y a du sérieux aussi. Mais voilà, il y a des gros sous, ça parle gros sous, donc ça se sent que... Euh, c'est, voilà. Orange Business Tour, voilà. Je crois qu'on arrive vers la fin. Là, hein. Il y a Bordeaux, euh, je sais plus qu'est-ce qui reste comme date, mais bon, renseigne-toi. Hein. Des fois, euh, je pense qu'on envoie un mail. Et, et puis voilà. Team Vitality pour le e-sport. Alors j'ai un super euh, t-shirt de ça, mais la Team Vitality a resigné un contrat avec euh, Orange. Ou alors c'est Orange qui a signé avec la Team Vitality. Enfin, tout, tous les deux ils ont signé. C'est les, les joueurs professionnels, je crois qu'ils sont quatre ou cinq. Et donc dans les euh, Orange fait partie de euh, les sponsors, des sponsors officiels, je crois même que c'est le plus gros sponsor de la Team Vitality, et ils vont comme ça de, de, de championnat en championnat, et euh... <laughs> je suis dans la pampa, avec un sombrero et une guitare. Ouais. Euh, et donc voilà, la Team Vitality, qui a donc pendant encore un an, donc jusqu'en 2021, support d'Orange, et on va les suivre un peu partout, un peu partout. C'est vrai que cette année, il n'y aura pas le championnat. On réfléchissait, on j'avais entendu dire, euh, on réfléchissait à pouvoir faire un championnat, euh, enfin des salles de jeux virtuels, c'est comme ça qu'on appelle, spécifiques Orange. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne, ne me demande pas. Moi, les jeux, euh, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas que je ne sais pas jouer, c'est que j'ai été intéressé à un moment par certains jeux. J'étais plus, euh, j'allais plus sur des jeux comme... Euh, comme euh, le jeu de guerre, là, tu vois, ou les jeux de bagnole, que là, on est sur des League of Legends ou euh, Fortnite. Fortnite, d'ailleurs. Il faudrait vraiment que je m'asseye à un moment derrière une console avec quelqu'un qui joue pour comprendre le principe. LOL, j'ai toujours pas compris le principe. Euh, voilà. Bon, ben, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Hein les mecs qui tournent en rond, les armes qui tournent et tout. Enfin, bon, ça marche super. Il y, a des... il y a une clientèle pour tout ça, d'ailleurs il y a une, il y a une... une chaîne, enfin, c'est pas une chaîne, c'est un bouquet orange sur, le... sur les jeux. Je ne sais plus comment il s'appelle ce bouquet, hein mais bon ouais, voilà, c'est comme ça, quand tu es tout seul il n'y a personne pour te, pour te dire tiens il y a ça, il y a ci, voilà. Euh... Bon ben bah, c'est pas grave, donc euh, je vais retrouver, je vais retrouver le bouquet, le bouquet, le bouquet. Salut euh, Manono, comment vas-tu euh, le bouquet des jeux, c'est le bouquet. Je l'avais pris en plus. On avait, il y avait cinq ou six chaînes. L'autre jour, je suis retombé dessus sur OCS. Ah, j'ai pas regardé si mon décodeur avait fait la mise à jour pour euh, pour l'autre là-bas. T'as vu qu'il n'a pas encore parlé. Bon, enfin bon, bref. les jeux, c'est bien, c'est nickel. Donc ceux qui ont qui sont un petit peu qui suivent un peu l'actualité du jeu, sachez que la team Vitality est encore dans le giron d'Orange et que ça va continuer. Encore pour un an. United Heroes. Tu sais l'application où tu cours, tu gagnes. Pickles TV. Merci, Cécile. Ah, oh, s'il ne serait pas là, je ferais comment Tiens, c'est bizarre aujourd'hui à part Mineta. Oula, alors est-ce que j'étais trop tard Est-ce que j'étais trop tard ou alors elle n'a pas reçu la notification Pouf. Salut, Christian. Christian Mouja est là aussi. Euh. Qu'est-ce que je voulais dire? En train... Ça m'a troublé de penser à Minata, de voir qu'Aminata n'est pas là. Je me suis senti euh, vide, nu, euh, tout seul. Oh, dis donc, un rayon de soleil qui sort. Eh ben, un petit rayon de soleil. Bravo, hein, le soleil. C'est bien. Ça fait 5 jours, jours que je ne t'ai pas vu. Profitez de votre dé d'anniversaire, bien sûr. Moi, je vais très bien. Je vais très bien. Euh... En ce moment j'ai beaucoup soif, je sais pas pourquoi, mais je vais très bien. Ah, je dois quand même dire un certain bravo. Euh, merci aussi à toi euh, Nono parce que tu as quand même fait un job euh, comme j'étais dans la pampa avec un sombrero et une guitare. Non mais quand je dis que j'étais dans la pampa, c'est que j'étais pas au studio. J'avais pas tout mon matos pour être clair et tout. Et donc je, je me promène avec mes deux téléphones. E3, euh, maintenant, puisque j'ai une NevaJet aussi qui sert à tester des trucs, et que j'ai pas les moyens de faire des copier collés, de regarder l'intranet et tout. En plus, j'ai souvent la, la fâcheuse. De... C'est-à-dire que comme j'emmène mon Mac pour faire le tout venant sur la communauté des agrumes, si j'emmène mon e-bureau, eh ben ça me fait un petit poids en plus. C'est pas qu'ils pèse beaucoup, c'est un HP, ils sont légers. Mais souvent, je me dis, bro, c'est pas la peine. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que je n'emmène pas mon e-bureau, à chaque fois, j'en ai besoin. C'est systématique. Et si je l'emmène, quand je rentre le soir, je me dit, tu vois, c'était pas la peine que je l'emmène. Et c'est incroyable. En fait, il faudrait que je fasse une chose, que je me dis, non, la première chose facile, je sais, tu vas me dire, emmène-le tout le temps. C'est vrai, il faudrait que je l'emmène tout le temps. Voilà. Comme ça, j'aurais pas à discuter. Mais, euh, j'allais dire que si le matin, j'ai dit, bon, allez, j'emmène mon hiburon, si mon ma première envie, c'est de dire non, et eh bien je le prends. Comme ça, je suis sûr qu'il va me servir. Voilà. Non mais je dis, je ferme la parenthèse de ça, je reviens, je dis merci à Nono, parce que c'est Nono qui, en attendant, pendant que je n'ai pas mon e-bureau, c'est elle qui fait rentrer les nouveaux agrumes. Et tout ça, ça nous mène à quoi ben, Ça nous mène à une, une communauté qui aujourd'hui... ou là là, merde, j'étais pas sur le bon, le, bon, euh, le bon truc. Sors de là, Christophe, vite, sors, sors, sors euh, Voilà, pour une fois que Facebook marche à peu près. Groupe, voilà. Ça nous mène à une CDZ qui est comme ça. Oui, il est où le iPad Il est là. Voilà 12 333 membres, c'est bien. Une tasse de café sans aminata, je suis d'accord, il manque quelque chose. C'est bien ce que je dis. Mais voilà, ça c'est super, là. là J'aime bien quand l'image elle est comme ça, là on me voit jusqu'en bas. On va rester comme ça. Donc 12 333, c'est super, il y a quelque chose qui se passe. Salut Christelle Pelletier qui est là, qui regarde. Bonjour à toi. Alors, en plus, tout ça, j'étais sur United Heroes. Tu sais ce que c'est, United Heroes United Heroes, c'est une application, alors je vais te la montrer si je peux. Je reviens ici. Attention, il y a l'autre qui se réveille là. Bon. Pour l'instant, il dit rien. Je crois qu'il fait le décompte. <laughs> tu sais, lui et moi, c'est une grande histoire. Hein. Bon. Il s'est arrêté en plein milieu. United Heroes. United, il est là. Alors attends, bouge pas, je te montre ça. Hop, United Heroes, tu vois, c'est ça. L'application, elle est là. Ah, elle est belle la musique. Ok, Jingo. Stop! Bon, voilà. Donc United Heroes, euh, le, voilà, le challenge en cours un million de points mince. Alors tu vois c'est un truc euh, ok Jingo stop. Eh ben euh, si tu ne l'as pas encore installé installe-la. Je dois filer travailler je vous souhaite une belle journée. Ben, bonne journée à toi Manono et encore merci. Donc voilà tu, tu marches tu cours. alors ceux qui sont des sportifs euh, vétérés n'hésitez pas tu tu mets euh, tu installes l'application euh, tu euh, tu t'accroches te, tu te, à une team. En général, c'est des teams par bâtiment, par service et tout ça. Moi, je suis accroché à la team Guada de Orange Garden Guadeloupe. Je sais pas pourquoi, non, mais c'est comme ça, c'est une folie. <laughs> ça me donne un peu un air d'exotisme et tout. Et puis, comme on n'est pas nombreux, je peux sortir du lot. Non, parce que moi, je fais pas de sport, par contre, je marche beaucoup. Et donc ça, c'est bon, ça me, ça me prend mes, mes, mes trucs. Enfin, je dis, je marche beaucoup. N'empêche que le 1er octobre, j'ai fait 57 pas. Pour un mardi, 57 pas. Alors après, je ne sais pas si l'application récupère, euh, euh, si récupère quand tu ne l'as pas ouverte. Mais en tout cas, il y a un challenge en cours pour faire un million de pas. Et je crois que, voilà, c'est pour l'autonomie numérique des femmes. Voilà, pour l'autonomie numérique des femmes. Donc, euh, euh, le, ah, quand même, 3962 pas, c'est bien. Sur trois jours. Un million de pas sur trois jours. Tu as l'impression comme ça que c'est énorme, mais en fait, à, à nombreux, parce que 3962 personnes, tu divises 1 million par 3962, ça fait finalement ça va. Alors, c'est pas 1 million de pas, c'est 1 million de points. ce que je, je mettais un peu emballé la dernière fois. Parce que sinon un million, c'est vite fait. Moi, j'en fais 20 000. Si tout le monde fait 20 000, euh, et puis il y a des gens qui font plus. Hein. Non, c'est les points. Parce que quand tu fais du sport, ça compte peut-être plus, etc. Donc n'hésite pas. Tout est expliqué dessus. Tu, tu, tu télécharges l'appli. Et voilà, United Heroes, c'est ça. Et il y a un challenge en cours qui est reparti. Donc n'hésite pas. Lance-toi. Euh, ça ne mange rien. Moi, je, franchement, je me disais... Je me disais, ouais, moi, je fais pas de sport. Qu'est-ce que tu m'embêtes avec ça Je ne vais pas commencer à, à courir et tout. Et puis finalement, je l'ai installé. Je la laisse courir et en fait, mes, mes, mes points ils comptent sans que j'ai besoin de faire d'efforts. Voilà, tu montes les escaliers, tu fais des trucs. Euh, en plus, ça marche avec les montres. Ça, enfin bon, c'est un, 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 un beau challenge, comme a dit Cécile. C'est super. Voilà. Euh, de quoi je voulais te parler d'autre Donc, United On a parlé, Tik on a parlé, euh, After Work, je l'ai dit, c'est ce soir. Oui, Black Friday. Euh, Black Friday, c'est encore le truc. Alors, hier, c'est bien. J'avais dit il euh, n'y a plus de son. Alors, attends, bouge pas. Je suis inquiet. Ça veut dire que quand je mets l'iPad, ben si, j'ai du son. Bruno, tu m'as inquiété, là. Attends, je reviens là. Bon, je ne sais pas. Bruno, pour moi, je vois, le, 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 vois qu'il y a du son. Non, parce que c'est le truc qui n'est pas très simple. Ah, tu m'inquiètes. Si j'arrive au studio et qu'au studio, je, je, je fais des trucs un peu miséreux, ça ne va pas. Moi, j'entends bien. Ouais, merci, merci, Cécile. <laughs> Non, mais hier, là, franchement, hier, là, euh, regarde, je te montre l'image, mais moi, je trouve que cet endroit-là, j'avais pas repéré ça comme ça. Regarde, ça, la, la, la matinale d'hier, comme ça, c'était pas mal. Hein. Ah, 464 vues pour le replay, c'est très correct. Hein. Ça, ça fait studio télé. C'est vraiment euh, studio télé. J'adore, j'adore, j'adore. La prochaine fois, euh, Cécile, note bien, hein, c'est là-bas que j'irai faire le truc. On mettra peut-être les caméras différemment. Et puis, en plus, on se voyait sur un grand écran. Mais Claire Défense, c'est un, un truc, euh, c'est un site à voir, hein. C'est un site à moi. Euh, J'attends d'ailleurs toujours les, les vidéos... Euh, je vais te montrer euh, bientôt les vidéos d'OGS. Orange Grand Stade. Euh, parce qu'on a été là-bas avec, euh, on, on était là -bas à, avec euh, Julien. On a fait euh, pas mal de... de, de on, a vu, on a visité un petit peu le truc. C'est vrai que ce sont des sites qui donnent envie de travailler. quoi. C'est bien. Envie de travailler, c'est le bon plan. Alors, un petit jeu pour commencer la journée de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il nous a fait euh, Le principe, c'est de décrire un film de façon originale, mais si possible, qu'on le reconnaisse quand même. D'accord. Avec quelques exemples. Ok, bah je vais aller regarder ça tout à l'heure. Là, c'est un chat. Euh, alors, on se méfie de, de, de trucs. Euh, J'ai vu encore des... Euh, comment ça s'appelle Des euh, partages de... et <laughs> partages de liens. Méfiance avec les partages de liens. Pas de partage de liens. Et euh, erreur dans la date de DMI. Ah oui, d'accord. Qui sert le PC du coup. Vu... Ouais, d'accord, ok. Euh, J'ai vu, des, 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 vu passer des, des liens ou des petites annonces perso et puis des, des demandes comme ça. Ok, on peut mettre un décor CDZ. Ah oui Ah oui, bien c Un petit décor CDZ, voilà. Non, mais c'est surtout. C'est surtout que euh, j'aime bien les sites où il y, y a une bonne ambiance aussi, comme ça, où les gens ont envie de participer et tout. Alors pour cela, je sais, il faut, euh, il faut un catalyseur. Bon, bah, euh, Cécile, toi, tu es un bon catalyseur, comme tu dis, tu, 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 tu rameutes tes trous. Mais euh, voilà. Et on pourrait faire ça dans plusieurs endroits où, bah, ça y est, une fois par mois ou une fois tous les deux mois, on arrive et puis. On fait la matinale tous ensemble et c'est très bien. Moi, t'as vu, hier, j'ai même pas eu besoin. Hier, comme d'habitude, j'ai petit, ma petite feuille où j'écris deux, trois bricoles. Et hier, j'ai pas eu besoin de dire. Les filles, elles ont fait l'animation. Jean-David y a parlé et tout. Et c'est nickel. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que je le sens, la, la matinale. Parce que bon, si c'est pour parler tout seul, c'est pas tellement le truc. Hein. Voilà. Euh, donc oui, j'ai regardé un petit peu sur le groupe ce qui s'est passé. Euh, bon, ben oui, pas grand-chose. Attention aux petites annonces. Attention au partage. Euh, voilà, ça rigole. Il y a... Euh... Alors c'est quoi ça, Elisa? Elle avait dit, je n'ai je, je parlé, mais j'étais pas au studio. Ah oui, la première pierre du, du data center, en fait, effectivement, c'était bien la première pierre, alors qu'il est, il est, déjà bien avancé. Euh, ça c'est quoi ça? Ça c'est là. Ah oui, d'accord, je regardais. Ça un... Ah oui, j'ai reçu aussi un, une, une vidéo. De... Alors, écoute, le truc, le truc bête. J'ai reçu une vidéo d'un smart store. Jusque là, tout va bien. Un nouveau smart store qui vient d'ouvrir. Je, je, je lance la vidéo, je regarde, et en bas, il y a, il y a un commentaire euh, qui accompagne la, la vidéo, et c'est pas en français. Impossible, mais je te dis, impossible de savoir. Alors, il y a la ville, hein, qui est des... impossible même de prononcer le nom de la ville. D'ailleurs, attends, euh, si je pouvais faire un truc, c'est te montrer, tu vois, vous m'auriez dit quest ce que c'est comme ville. Parce que c'est... Attends, c'est le truc de fou. Alors, il est où Je crois qu'il est dans Messenger, bah, je peux te le montrer ici. Il est dans Messenger, ouais, je crois. Euh, j'étais... Attends, c'est la première fois que je, je me sens bête devant une... une, une pourquoi j'ai fait ça C'est pas ça qu'il faut que je fasse. J'ai pas compris la ville. Alors, c'est peut-être polonais, mais j'étais pas tout à fait sûr. Attends, bouge pas, change de compte. Je vais te montrer, tu vas me dire. Parce que c'est ce qui m'a fait penser quand même... Euh... Ah, confie-toi, jingo ne m'en parle pas. <laughs> euh, changement de compte. Je me suis dit, Christophe, euh, tu vas te repérer avec le... Avec le Smart Store. Mais, à part d'aller regarder les étiquettes, et même les étiquettes, c'est écrit dans une langue aussi que je ne comprends pas, il n'y a rien qui ressemble plus à un Smart Store qu'un un autre Smart Store. Franchement, euh, là, ici c'est là. Voilà. Si, Alors, si je fais ça. Voilà, je te montre. Tac. Je ne sais pas si tu vas voir la vidéo. Hein. Voilà. En fait, c'est la construction d'un Store. Ok. J'aime penser. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur la musique, sinon il va encore me zapper. Ok. Regarde bien, parce que peut-être qu'on va montrer le dehors, ça va te parler. Ah d'accord, je savais pas qu'on peignait les plafonds euh... Ok... Voilà. Il y euh... a... C'est vrai que les, les smartphones c'est... Voilà, ça c'est... Il eh, n'y a rien à dire hein, c'est les mêmes partout hein. En anglais. Et <laughs> à aucun endroit où c'est marqué. Ah, voilà. Euh, c'est pas là. Euh, non, mais je sais plus où est le. Où est-ce qu'on en a. Où est-ce qu'il m'a mis le, le, le texte Putain, c'était où ce texte Il y avait un texte en dessous. Ah non, c'est plus. C'est pas là. Euh, je sais pas. Enfin bon bref, je sais pas si tu as reconnu. Faut que je lui demande. Mais euh, je me souviens. Euh, salut Caroline, comment vas-tu Tu es là ce soir pour ton after à République. Alors je sais pas combien de gens seront là. Euh, mais euh, on sera déjà tous les deux. <laughs> C'est déjà ça. Attention, à condition qu'il n'y ait pas de, de manifestation à République. Hein, parce que République, s'il y a une manif, un, ça devient un coupe-gorge. Euh, pas un coupe-gorge, enfin fait, tu es coincé tu peux aller nulle part. Euh, donc voilà, je disais, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui, dis, qui, qui avait dit, euh, nos clients, les clients d'Orange, il faudrait que partout ils, ils vont dans le monde, quand ils rentrent dans une boutique, ils se sentent chez eux. C'est-à-dire tes clients à République par exemple, ben, ben, tu, tu rentres dans une boutique à, à, à Dakar ou une boutique en Pologne, et ben tu es chez toi. Et euh, tu te sens chez toi parce que c'est toujours pareil. Et ben c'est bien réussi quand même, parce que tu as vu cette boutique, je ne sais pas où elle est, mais en tout cas, on a l'impression de la connaître. Parce que c'est toujours pareil, les espaces sont pareils et tout. Alors c'est bien, c'est un peu le principe Sephora. T'as vu que Sephora c'est pareil. Quand tu rentres dans un Sephora, c'est toujours les mêmes. McDo, plus ou moins aussi. Euh, la question c'est bon, c'est très bien, mais euh, jusqu'où on va aller quoi <laughs> le, gars, le gars qui vient foutre la. Réfléchissons, réfléchissons. Est-ce que c'est très bien Est-ce qu'il ne faudrait pas des petites. Euh, comment on pourrait appeler Une petite touche euh, locale dans, la, dans le Smart Store ah non, je sais, je sais, tu vas me dire encore, ça y mais est. Mais qu'est-ce qui vient nous foutre la merde, on a réfléchi à ça. Non, mais pourquoi pas Pourquoi pas, par exemple, le Smart Store de Strasbourg, il aurait à l'intérieur du Smart Store un truc local, un truc qui, qui fait penser à la personne qui rentre. Ah, mais même avec un jeu, tiens, je suis dans un Smart Store, mais où est-ce que je suis euh, Alors, je sais pas, euh, si y a un Smart Store à Cambrai, on, mettait, on mettrait des bêtises. <laughs> non, mais je sais pas, mais un truc euh, Un truc qui rappelle le, le côté local. ou Voilà, je, je sais pas. Et je jette le truc, voilà. L'idée, c'est cadeau. Allez-y, euh, allez-y. Euh, euh, salut Martine, ah, ça fait longtemps, Martine. Ça me fait plaisir de te voir. Allez, un petit coup de café. Ah, comme dit Cécile, euh, une matinale sans Aminata c'est pas une matinale. Hein. Mmh. Et pourtant, elle est loin, elle a Conakry Mais oui, un bretzel, voilà. Mais très bien, Bruno. Voilà une bonne idée. Euh, regarde, par exemple, il y a maître maître chocolatier. Je regarde parce que là, c'est l'autre le bleu qui s'est réveillé. C'est Alexa. Je dis bien. Euh, bah Tiens, on peut lui demander, Alexa, quelle est la spécialité de Strasbourg Bretzel, c'est bien, ça passe. Ouais. Mmh, euh... Je ne sais pas. D'accord. <laughs> mmh, ça va. Non, je ne dis rien. Euh, oui, il tu, tu... y a Maître euh, euh, Christophe Ragnaud, euh, maître chocolatier, qui fait des animations dans les Spar dans les Store. Donc, effectivement, suivant euh, en hiver, c'est chocolat en été, c'est glace. Bon, imaginons ce sera à Bretzel bah, tu fais une animation. Avec des bretzels, voilà, à Strasbourg. Et euh, l'animation locale. Euh, je dis pas comme toi, Cécile. Hein euh, voilà, je choucroute. Non, pas dans une boutique, la choucroute. <laughs> ah Bruno, c'est pas possible. <laughs> non mais, j'ai dit, j'ai dit quelque chose qui rappelle. J'ai vu des animations de start-up, ça c'est pas mal, des start-up locales, on a eu ça à une époque. Mais moi je parle d'un espèce de, de, de fil rouge qui ferait peut-être un peu à la manière de Trouve mon galet, un, un truc où on pourrait se dire bon ben bah voilà, euh, je vais dans telle boutique, tiens, qu'est-ce que ça va être le truc local de cette boutique Et Après, c'est à réfléchir. Hein. Après, voilà, il suffit de trouver la choucroute, voyons Alexa <laughs> la spécial non je pense alors je ne suis pas d'accord avec toi euh, caroline je ne pense pas que la choucroute soit la spécialité de strasbourg je pense que la choucroute est une spécialité de, de l'alsace oui ça oui mais euh, c'est pas très spécifique à, à strasbourg parce qu'on mange la choucroute aussi en bavière voilà chercher le nom qui est de l'autre côté du rhin euh, voilà. Non mais il faudrait trouver un truc qui vraiment qu'on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire on est là euh, parce qu'à ce moment-là si tu dis choucroute et eh ben, il faudrait mettre de la choucroute dans tous les smart stores d'Alsace et voire même euh, euh, dire aux gens de, de Deutsche Telekom d'en mettre aussi de l'autre côté. Enfin voilà, donc euh, j'ai lancé une bonne idée, tu vois, je suis content de moi, j'ai fait une, ma, ma connerie du jour, c'est ça, c'est mettons dans, dans nos smart store une petite touche locale dans chacun, dans un petit coin, enfin je ne pas un petit truc, hein. ça peut être aussi à, un tableau, ça peut être, être n'importe quoi, hein. voilà, j'ai l'air de faire, hein. voilà. <laughs> ok, bon allez euh, pas d'autre chose à dire, Je te, un petit résumé vite fait, donc aujourd'hui éthique et compliance day, un petit peu partout, on va parler des, des, des méthodes, des pratiques pour ne pas se mettre en porte-à-faux, euh, en soi-même et puis aussi euh, Orange, hein. euh, le Black Friday, Black Friday, donc on est, on est euh, mercredi mais c'est Black Friday, allons-y, allons-y, de toute façon j'ai bien compris que tant que vous n'aurez pas vos deux semaines de Black Friday... Donc, appelle ça les Black Two Weeks. Ça, c'est mieux. Vous serez pas content. After work, c'est ce soir. On est avec Caroline. Et puis, tous ceux qui voudront venir venir, le Couglof, le kougler Une visite en réalité virtuelle du modem principal de la ville. Merci, Bruno. Très bien. Pourquoi tu n'as tu as pas mis ça au hackathon Ça serait bien, oui. Comme ça, en même temps, on montre le, le casque VR qu'on qu vendrait. Et avec de dessus, un petit, une petite vidéo. Et je connais même quelqu'un qui pourrait filmer en, en VR. Euh, qui est très, très bon. David Picard. Orange France. Eh oui, oui, très bon. Orange Business Tour à, à Bordeaux, mais c'était hier, mais si tu veux aller vis en visiter n'hésite hein, pas. La Team Vitality qui a signé encore avec Orange jusqu'en 2021. Et United Heroes, n'hésite pas, un super challenge. Voilà. Quant à moi, je vais te dire à demain. De bonne heure et de bonne humeur, je ne sais pas où je serai. Ah oui, je serai à Pampa encore demain. La... Oui, parce que demain, il y a euh, Digital Society Forum avec le boss et on est au. Euh, je ne sais plus où on est. Enfin, j'ai l'invitation. Voilà, et comme je sais qu'on est convoqué à 8h15, pour votre à l'heure, je ferai ma matinale à l'extérieur, avec, euh, comme d'habitude, bon, ça sera très court, mais voilà, ça sera l'occasion de te montrer un autre endroit, vite fait, et puis l'occasion d'aller parler d'autre chose. Voilà, des grosses bises, et puis n'oublie pas, il faut être heureux au, au boulot, enfin, c'est pas qu'il faut être heureux, tant qu'à faire, soyons heureux au boulot, voilà. Le, le smile, toujours, même quand a, c'est difficile, euh, oui, tu sais pourquoi bah, Parce que quand il n'y a pas de soleil, il euh, y a une espèce de truc, là, qui fait que tu n'as pas envie, enfin t'es pas, pas, heureux, enfin, ça joue aussi ça le soleil. Hein. Et puis, euh, mais sinon tu peux te mettre devant des lumières et puis ça fait la même chose. On se retrouve demain. Allez, je te fais un gros gros bisou. Générique, générique, je sais même pas ce que c'est générique. En tout cas, c'est sûrement avec les modos. Allez, bye bye.